Et salut à tous les amis, c'est Uchi les 15 ans. Alors, attendez, je sais. Voilà, c'est bon, c'est nickel là, c'est super. J'ai une belle langue. Alors, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, encore une fois, sur la Wii. Et cette fois-ci, nous retrouvons pas pour Wii Sport, ni Wii Sport Resort. Nous retrouvons encore sur un jeu de bowling, mais c'est le jeu Racing Pro Bowling, qui est vraiment un super jeu de bowling. Sur la Wii. Alors c'est pas le même jeu de bowling de Brassing Pro Bowling comme ce que vous avez sur la PS4, Xbox One et PS3. Il est bien différent et franchement il a du potentiel celui-là. Et franchement j'aimerais bien qu'il redéveloppe celui-là, ce Brassing Pro Bowling qui est à mon goût plus sur la Wii. Et ça serait bien qu'il le développe plus celui-là. Parce que sur la 3DS, il y a le jeu. Mais en fait, c'est la même version que sur PS3, 3DS. C'est la même version sur PS3, PS4 et Xbox 360. Xbox One d'ailleurs, il y est sur Xbox One. Et c'est raté. Alors, là, on fait juste un petit... Voilà, là ça va être raté. On fait juste une petite partie. Après, on se dirige tout de suite en version carrière. Alors, je sais pas si vous mourrez. Et je fais strike. Ah, il est vraiment cool celui-là. Alors, par contre, ce qui est dommage dans celui-là, c'est que chaque lancer a un bruit. Ça veut dire que si vous faites strike, ça va faire... Non, ça va faire 9. Voilà, par exemple, comme ça. Si vous faites 9, ça va faire un bruit particulier. Par exemple, si vous faites strike, ça va faire aussi un autre bruit particulier. Et si vous faites une key, ça va faire ce bruit-là. Voilà, ça va, en fait, chaque lancer a un bruit. Ça veut dire 9, ça fait un bruit particulier et tout ça. Et c'est, je trouve ça bien dommage. Mais bon, on se plaint pas, c'est un super bon jeu quand même. Il a du graphisme. Oh, il est super bon celui-là. Il a un beau graphisme. Alors hier, j'ai joué en mode carrière, j'étais allé jusqu'à la finale. Après j'en ai fait un petit tournoi, j'allais perdre, c'est sûr, et donc j'ai quitté quoi. Par contre ce qui est bizarre c'est qu'en mode carrière c'est pas la même chose qu'en mode normal. Non. Ça veut dire que là en je crois que c'est la boule qui fait cet effet. Celle-là elle a de la puissance, c'est pour ça que... Elle va plus vite et sinon il y a des boules où elles sont hyper longues. Voilà, et on termine sur un strike. Et voilà, cette fois-ci on se dirige en mode carrière. Alors j'ai celui-là qui est créé. Alors par contre j'aime bien ce mode là, le pon pin select en mode practice ou en, comme ce que je vous ai montré l'autre jour. Tiens. Ouais, pourquoi ça a changé de bowling? D'habitude, c'est tout le temps sur le même. Là. Voilà comment la boule fait. Voilà, c'est totalement bizarre. Et je comprends pas, pourquoi c'est un autre bowling? Bon, on se bloque pas. D'habitude, là-dessus, on n'a pas ce bowling-là. On a le bowling classique. Je fais strike. Alors, vu comme ils ont un bruit particulier, quand ça fait, par exemple, ce bruit-là, c'est sûr, ça va faire strike. Même si vous voyez qu'il y avait une key qui était restée, ça compte strike. C'est très louche, mais c'est comme ça. Là, ça fait 7. Et c'est vraiment très cool. Alors, je gagne. Là, je suis avec mon téléphone et j'ai trouvé une nouvelle angle de... une nouvelle angle de film.
Bref, on va faire un mode. On va faire un petit tournoi ensemble. Enfin, ça, il va être très très long. Il va être très très long ce tournoi. Ça fait déjà 5 minutes que je tourne. Et les tournois sur ce jeu, ils sont hyper longs. Et en plus, tu peux même pas faire des pauses. Enfin, si, tu peux faire des pauses, mais enfin, tu peux même pas couper et rejouer un autre jour. T'es obligé de jouer à ce jeu le même jour. Enfin, t'es obligé de faire le tournoi le même jour. Alors, par contre, je vous conseille de faire les forfaits en League Night. Voilà, c'était League. Voilà, et je vous conseille de faire des forfaits parce que sinon vous allez perdre 5 dollars pour rien. Alors que les tournois, tu. Alors là, c'est fort probable qu'il soit payant. Il y a de fortes chances qu'il soit payant. Pourquoi? Ouais. Alors pourquoi il est payant? Parce que je sais pas. Tout simplement, je ne sais pas. Parce qu'en fait, vous voyez, il y a des. En week. C'est des week-ends, disons. Alors, ça se passe en 9 week-ends. Alors, vous avez 2 week-ends sur 3, c'est de la ligue. Et 1 week-end sur 3, où c'est un tournoi. Alors, on va devoir simulating. Alors les ligues, vous payez 5 dollars pour une prise de 0 dollars. Ça veut dire qu'on paye 5 dollars juste pour l'amusement. Ça sert strictement à rien parce que voilà, ça sert à rien tout simplement. Alors. Et ce qui est dommage dans ce bowling là, c'est. Ah, tiens. Saint-Louis, je l'ai déjà débloqué. C'est que vous voyez, il y a des pistes différentes. Il y a Tokyo, il y a Saint-Louis, tout ce genre de trucs. Et vous avez d'autres bowling comme Paris, Londres. Cela, c'est impossible de les débloquer. Vous tombez jamais dessus. Franchement, si vous tombez sur un ces genres de bowling, franchement, vous avez vraiment de la chance. Et voilà, on est reparti pour un tournoi. Et oui, je fais un tournoi. Ah, ça va faire tout droit. Yes. Alors, quand vous faites deux, vous pouvez avoir ceci. Yes. Là, c'est l'ordinateur qui joue. Alors, on est à 8 minutes de vidéo et c'est toujours la première partie de ce tournoi. Alors, ça joue en 4 parties. Ça veut dire que ça fait 8e de finale, quart de finale et finale. Alors, si vous gagnez, vous remportez de l'argent et vous débloquez la piste dans le mode quick play là. Bah, dans le mode jouer quoi. Là, ça va être facile parce que ça va être super. Voilà, je fais faire. Je pense qu'on va gagner ce tournoi. Si on gagne ce tournoi, ça serait tout simplement good. Oh putain, la vache, un split. Je le garde si. Ça pas coupé. Oh, ça c'était beau. Dommage. Non.
ça me plaît pas quand il fait strike. Ça fait flipper. Oh non! Ah bah celui-là il est facile ça. Le plus dur c'est quand même les quilles de droite parce que quand t'es droitier et que t'es de la main droite, c'est vachement dur. Donc on le regarde jouer, mais ah non, à la vie, ça va être gagné. Je vais gagner cette partie. Ah, il fait un doublé quand même. What the... Oh, il faut que je fasse un doublé là. Ouh, je suis dans la grosse pagaille là. Là, il est là, il est quand même devant. Il est devant. Là, il faut absolument que je fasse strike. Parce que sinon, c'est carrément mort. C'est vachement dur quand même. Ça doit être l'un des jeux les plus durs de la Wii. Parce qu'il est vachement dur ce jeu de bowling. Je suis quand même super, mais je suis pas très content. Je suis quand même à 113. Hein. Non. Oh yes. Putain. Ah, il faut faire qu'il fasse un trou. Il faut qu'il la rate. Non. Oh non. J'y ai cru. Mais non. Alors, il faut que je fasse un trou. Il faut que je fasse que des strikes là pour gagner. Mais, ça risque d'être très difficile. J'ai trop pris confiance en moi. Ah, je suis quand même un strike là. Je suis quand même assez content. Franchement, là c'est quand même assez difficile parce que là c'est difficile quoi. Allez, courage les gars. Alors, on est à 3. Oh non. Et j'ai gagné. J'ai gagné les gars. Oh, punaise. Grâce à 2 strikes, j'ai pu remporter ce match. Je t'espère. Mais les gars, j'ai gagné. J'ai gagné. Oh oh, non, pas sûr. Aïe 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 aïe. Ah oui, c'est vrai que c'est fini en dernier. Oh là 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 là. Ça risque d'être mort, les gars, en fait. Ah, c'est mort. On va perdre. C'est perdu. C'est perdu. Je ne pourrais pas gagner. Ah punaise. Ah, je suis dégoûté. J'ai trop pris confiance en moi. Et donc du coup, j'ai perdu. Ah, j'ai perdu. Excusez-moi les gars, mais j'ai perdu. Ah, c'est dommage. Je suis tellement déçu là. Ah. Ah, j'aurais bien aimé gagner en vidéo. Mais c'est pas le cas. Donc. Ouais, on fait un petit. Une petite partie en solo. Et puis après, on va s'arrêter là. Voilà, celui-là, c'est le bowling de base. Celui-là, c'est le bowling de base. Parce que bah, c'est le bowling de base, quoi, tout simplement. Thank you.
c'est vrai que c'est un petit peu changeux. Désolé, je chante. C'est... Strike. Chanceux. Loqué strike. Ça veut dire strike chanceux. Mais je sais parler anglais, mais c'est bizarre. Essayez de voir les vous voyez les deux petits points là. J'espère qu'on va t'as vu. Strike à gauche, pas terrible. Po, chica. Alors là, j'étais en train de regarder. La rediff du live de Matt Zeppel de hier dimanche, dimanche 30, qui a essayé de faire un live sur le GTA 4 en mode LCPD, mais en mode LCPDFR, mais il a tout simplement pas réussi et là il est en train de jouer à GTA 5. Je suis en train de regarder sur son GTA 5 RP d'hier encore, hein, parce qu'en fait son jeu GTA 4 crashait, et donc voilà. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Matt Zeppel parce que c'est vraiment un joueur de GTA vraiment super sympa sur PC. Alors, je vous conseille vraiment de vous abonner à cette chaîne, à la chaîne de Matt Zeppel. Non, c'est pas ma chaîne. Hein. Moi, ma chaîne, c'est Yoshilik15, c'est pas Matt Zeppel. Donc, voilà. Matt Zeppel, c'est quelqu'un, un youtubeur vachement cool. De GTA 5, c'est la version PC, c'est pour ça qu'il y a le mode LSPDFR sur GTA 5. Il fait des vidéos sur GTA 5 en mode de police. En gros, c'est lui le policier, c'est pas lui le criminel. Voilà, hein. Il est vraiment sympa comme joueur. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre un like et commenter. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde! Bye.